Très vite, le match commence. Racing Club de Kinshasa obtient l'offrande. Les derniers attaquants face à Barel Moukou, les gardiens des Verts et Blancs sera trompé. RCK mène 1-0. Dans la suite de la partie, Darin Klemotema Pembe obtiendra un pénalty. La suite transformée par Dark Kabangu qui remet les deux équipes à égalité. 1-partout. La 41e minute, l'aube de RCK sauvée par Barel qui aura le temps de reculer. Une minute après, une pression insistante des RCK. Moukou sur la trajectoire cueille le ballon. Peu avant la pause, à la 44e minute de jeu, le centre et la tête de Dark Kabangu de Saint-Pé passe à 2-1. Et ce centre de Enoch Magnidoula, le coup de tête, et voici le deuxième but. Mesdames et messieurs, l'UDCP en patron passe devant une formation du Racing Club de Kinshasa. La pause intervient. Revenu de vestiaire, RCK pousse sur l'accélérateur et obtiendra l'offrande, l'égalisation et décroché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va relancer en Toumba Libanza. En Toumba Libanza, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sur le point de penalty. Son vis-à-vis et c'est fait. Oh là là! Les dernières minutes ne donneront rien. Score final, 2 pour le Darin Klemotema Pembe, 2 pour Racing Club de Kinshasa.